Bonjour. Ah, ça a l'air super, hein. Ah ouais, c'est beau, là. Ouais. Ouais. Voilà, ouais, donc le château, les ruines de Crozan, avec le rocher de la Fileuse devant, voilà. Via Laurence Fidry, qui est de la région Creuse, qui m'a convoqué, voilà, exactement. C'est elle ? Voilà, c'est elle, Laurence. Ah, d'accord. Et là, Laurence, c'est la vallée des peintres, ici. C'est le cœur de la vallée des peintres. Les impressionnistes du 19e siècle, c'est ça ? Oui, Monet. Ils ont été attirés par les propos de George Sand, les témoignages aussi des critiques d'art parisiens qui connaissaient le site, et ils ont ainsi attiré beaucoup de peintres, mais aussi des photographes à l'époque. Ici, on est à la rencontre de deux départements, de deux régions, de deux rivières et de deux langues, la langue d'Oc et la langue d'Oil. Donc, d'un côté de la frontière, on parle d'une façon et de l'autre, d'une autre façon. Donc un lieu de frottement, de rencontre, d'échange. Il y a des touristes ici ? Ah oui, oui. Il y a des cyclistes, il y a des randonneurs, il y a des marcheurs, il y a des gens qui viennent se ressourcer, beaucoup de granit, c'est assez puissant. Et il y a aussi l'été, les bateaux, le gros bateau, le bateau croisière qui va jusqu'au barrage des Gusons, deux plus petits bateaux, des kayaks et des peintres et des photographes. Quel avenir touristique pour le Libougeois ? Il faut... Il y a des niches. On ne va pas faire du tourisme de masse, on va pas faire. Mais il y a des niches. Je pense qu'on n'explore pas assez la randonnée itinérante. C'est-à-dire un tourisme vert, orienté vers la nature et à taille humaine, quoi. Faut pas aller rechercher des gros complexes touristiques ou les choses comme ça. Il y a un superbe GR qui traverse le Limousin qui s'appelle le GR 46. Il a aucun topo guide. C'est les plus... Mais les gens ne partent plus en randonnée avec une carte Michelin. C'est pas trop mon truc, justement, tout ça. Toute cette interactivité avec les écrans qu'on regarde en permanence, en se butant dans une pierre parce qu'on regarde même pas le paysage, quoi. Je trouve ça assez ridicule. Donc c'est à nous de trouver les atouts dans ce qu'on sait le mieux faire, quoi. Dans... Nous, les habitants du... Nous, les habitants, les acteurs culturels, touristiques... Rien d'imposé d'en haut. Bah là, on se plante tout de suite.